Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ensemble vers la réussite, une chaîne de soutien scolaire et d'apprentissage de la langue française. Aujourd'hui, on va voir un élément essentiel qui fait partie de la phrase, c'est le groupe nominal sujet. Notez GNS. Avant que je commence la leçon, j'ouvre une petite parenthèse. تلبية لطلب العديد منكم سأشرح الدروس باللغة العربية لتعم الفائدة فالهدف من القناة هو أن يكون المحتوى مفهوم من طرف الجميع 100% ولغة الشرح أو اللغة التي نشرح بها الدروس سواء كانت عربية أو فرنسية تبقى ثانوية وهي لا تمثل إلا أداة لوصول المحتوى أو الرسالة كما ذكرت سالفا داس اليوم هو لو جروب نومينال سوجي وهو مكون مكونات الجمله On définit le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet fait l'action exprimée par le verbe au lacébu. Ça veut dire en fait que le groupe nominal sujet هو الفاعل الذي يقوم بالفعل أو يخدع له. Et pour trouver le groupe nominal sujet, on identifie le verbe conjugué et puis on répond à la question suivante. Qui est-ce qui ou qui? لمعرفة le groupe nominal sujet, نحدد أولا الفعل المصرف في الجملة ثم نجيب عن السؤال الثاني. من الذي قام بهذا الفعل؟ Prenons des exemples pour plus de compréhension et en parallèle, on va sortir la première règle grammaticale. La première phrase, Saad range sa chambre. Saad يرتب غرفته. أولا نحدد الفعل. الفعل هو le verbe ranger conjugué au présent de l'indicatif. بعد ذلك نطرح السؤال التالي Qui range sa chambre? من الذي يرتب غرفته? C'est Saad. Donc Saad est le groupe nominal sujet وفي هذه الحالة هو une personne أو شخص. On prend une deuxième phrase Les oiseaux chantent au fond du jardin. العصافير تغني داخل الحديقة. نبحث أولا عن الفعل le verbe. C'est le verbe chanter conjugué au présent de l'indicatif. بعد ذلك نطرح السؤال Qui chante au fond du jardin? من يغني داخل الحديقة? Ce sont les oiseaux. Donc les oiseaux et le groupe nominal sujet. وفي هذه الحالة le groupe nominal sujet est un animal. Autre exemple, le train est très rapide. القطار سريع جدا. نبحث عن الفعل. الفعل هنا هو est et c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Après, on pose la question suivante. Qui est-ce qui est très rapide? C'est le train. Le train est le groupe nominal sujet. Donc, مشي السريع جدا هو القطار والقطار يعتبر هنا الفاعل le groupe nominal sujet. الفاعل هنا أو le groupe nominal sujet c'est un objet, c'est une chose. Donc, le groupe nominal sujet peut être أو الفاعل يمكن أن يكون une personne, شخص, animal, حيوان ou bien une chose, شيء. Parfait, la première règle grammaticale qu'on a retenue, le groupe nominal sujet indique la personne, animal ou bien la chose qui fait l'action, il ne détermine de qui ou bien de quoi on parle. Donc le groupe nominal sujet, يحددنا الإنسان, الحيوان, أو الشيء الذي يقوم بهذا الفعل.
Très bien. Al-an ta'lamu كيف تتعرف على le groupe nominal sujet في الجملة. ننتقل إلى القاعدة النحوية الثانية وهي la nature de groupe nominal sujet. Prenons toujours un petit exemple. Mon père conduit la voiture. Le verbe huna, c'est conduit. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe conduire. Le groupe nominal sujet fait هذه الجملة mon père, c'est un nom commun, اسم مشترك. مثال اسم مشترك, la table, la fenêtre, la rue, l'école, etc. لنأخذ مثال ثاني. Sarah se prépare pour aller à l'entraînement. Le verbe huna, huwa, se prépare. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Le groupe nominal sujet, c'est Sarah. Donc, Sarah est un nom propre. Ism khas. Ka ism Medina, ism Insan, Mitel, Casablanca, Maroc, Marrakech, Nadia. Et notre nature du groupe nominal sujet, prenons toujours une petite phrase. Le son de cette chaîne est très faible. Al-fi'l huna, huwa, ay. C'est le verbe être au présent. Le groupe nominal sujet, c'est le son de cette chaîne. Donc le groupe nominal sujet, فهذه الجملة, est un groupe de mots. Exemple des groupes de mots. Le petit chat noir. Le transport de l'école. Ainsi de suite. Une autre phrase, réussir, était notre objectif. Le verbe huna, huwa, était. Et c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Le groupe nominal sujet, c'est réussir. C'est un verbe en infinitif. Donc le groupe nominal sujet ici, c'est un infinitif, fa'l ghair musarraf. Une dernière phrase pour cette partie. Ils se réunissent ce soir en conseil. Le verbe huna, huwa, se réunissent, c'est le verbe se réunir conjugué au présent de l'indicatif. Le groupe nominal sujet, c'est il. C'est un pronom personnel. Exemple des pronoms personnels, je, tu, il, nous, vous. Ainsi de suite. ماذا نستخلص إذن من هذه الجمل؟ Je retiens le groupe nominal sujet peut être un nom propre, اسم خاص أو اسم شخصي. مثلا Casablanca, Maroc, Nadia, Sarah, إلى آخره. اسم مشترك مثل l'école, la fenêtre, la porte, إلى آخره. Un groupe de mots, le petit chat noir, le transport de l'école, Nadia et Sarah, il a akhere. Un verbe en infinitif, fa'l ghair musarraf, un pronom personnel, mitl, je, tu, il, nous, vous, il, en. Est-ce que le groupe nominal sujet est toujours positionné avant le verbe. هل le groupe nominal sujet يكون دائما قبل الفعل le verbe. الجواب لا فيمكن أن يكون le groupe nominal sujet بعد الفعل. أمتي لا où habites-tu? Que penses-tu de ce cadeau? جمل استفهامية. Ce sont des phrases interrogatives. إذا لاحظنا المثال الأول tu هو le groupe nominal sujet et le verbe c'est le verbe habiter conjugué au présent de l'indicatif. وفي المثال الثاني دائما tu le pronom personnel c'est le groupe nominal sujet والفعل أو le verbe يأتي قبل le groupe nominal sujet وهو le verbe penser conjugué au présent de l'indicatif. On peut trouver des phrases qui n'ont pas le groupe nominal sujet. Ce sont des phrases impératives. Les phrases pour donner des ordres. يمكن أن نجد
جمل لا تحتوي على الفاعل وهي الجمل الأمرية. Example: Arrêtez de fumer, range ton bureau. Et pour évaluer votre compréhension, je vous donne un exercice. Identifiez le groupe nominal sujet et précisez sa nature grammaticale. حدد le groupe nominal sujet وبين طبيعته النحوية. C'est la fin de la vidéo, j'espère que j'étais claire. Merci beaucoup de m'avoir écoutée.